Oui, bonjour, eh bien vous voici en arrière-plan au cœur de l'Alliance Riviera. C'est notre rendez-vous de ce dimanche contre l'OGC Nice. C'est un match très important. La reconnaissance du terrain est une séquence classique précédant cette rencontre de Ligue 1. La 34e pour Montpellier et pour tous les autres pensionnaires de ce championnat. Montpellier, évidemment, va jouer son batou à chacune des dernières rencontres restantes cette saison. Andy Delors vous l'a dit, il faut gagner, aucune autre perspective à l'esprit. Nous verrons ça à partir de 13h au coup d'envoi de cette partie ici à Nice. À tout à l'heure. Pas branché, hein. Deux petits ponts, mais c'est Alu. C'est Alu, petit pont sur la borde, petit pont sur Mollet. Alors là, là c'est incroyable ce que nous a fait Hassan Camara. Enfin, allez, ça profite. Un centre de Mollet, c'est pas mal. C'est la tête de Toulibo qui renvoie dans ce premier temps. Ça y va maintenant dans la surface de réparation. Plein axe, bon jaillissement de Cosa. C'est un peu tard. Et Dolberg a réussi à récupérer le ballon. Dolberg qui part à grandes enjambées, maintenant poursuivi par Daniel Congré. Dolberg qui repique au centre. Il va trouver, attention, la frappe peut-être le pomme. Maurice, le plongeon. Le plongeon en blessé, c'est pas fini. Un nouveau centre et encore une claquette de Jonas qui évite l'humiliation. Les amis, je ne reconnais pas la défense montpelliéraine, c'est pas possible. Le temps additionnel, une minute de temps additionnel, là, c'est dans la souffrance, vraiment dans la souffrance que nous terminons cette première période. Outre le fait que nous avons encaissé deux buts évitables, eh bien, on a failli en encaisser un troisième, là, au départ de l'action, avec une accélération de Dolberg. Et puis, cette frappe niçoise détournée par Omlin. Ah, ça va pas. Ça ne va pas réconforter totalement le gardien montpelliérain, mais sans son intervention là, je pense que l'addition aurait été particulièrement corsée à la pause. Nous sommes dans le temps additionnel. Une minute, je vous l'ai dit, seulement de temps additionnel au terme de cette première période. Est-ce que ça sera suffisant pour que Montpellier limite la casse avant son retour au vestiaire? J'en doute un peu parce que l'aiguille ne s'arrête pas à chaque sortie de balle en touche. Ce sera la dernière. Ah ben d'ailleurs, il siffle, monsieur De Chépy siffle la fin de cette première mi-temps sans même laisser se consumer la minute entière de temps additionnel. Eh bien, mes amis, on a le cul par terre, permettez-moi de vous le dire. On a le cul par terre au terme de cette calamiteuse fin de première période. Je ne vois pas comment la qualifier autrement. Nous gérions potablement, à peu près bon an mal an, cette première mi-temps avec beaucoup plus de possession de balles. Nous étions beaucoup plus souvent dans le camp niçois que les niçois dans le nôtre. Et puis, bam, deux coups d'éclat, deux fulgurances. Les niçois marquent deux buts au 38 et 40e par Toulibo sur le coup franc de Claude Maurice. Il a jailli au cœur de la défense montpelliéraine, figé comme des statues de marbre, pour devancer la sortie d'Omlin, un peu tardive, mais il n'y a pas qu'Omlin de fautif sur le coup. Et puis deux minutes après, patatras, un déboulé de Dolberg, un centre et un but de Claude Maurice. La frappe à la 40e minute. Mon cousin, nous voilà bien. 3-1 à la mi-temps. Ça va gamberger dans le vestiaire. À tout à l'heure, je n'en dirai pas plus. C'est une déception. Ouais, c'est un match qui est énervant parce que tu mènes d'entrée, après voilà, tu prends des buts évitables et le match tourne rapidement et voilà, c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, je pense qu'un championnat course à l'Europe, c'est fini. C'est fini.